La partie d'Albatros, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi parce que depuis que je suis tolérant Pee-Wee, que je considère faire partie d'Albatros comme étant un rêve. Et en étant faire partie d'Albatros, je considère un de mes rêves réalisé. On est sur le but, on est sur le but! Ouais! Les objectifs personnels sont surtout d'apporter mon jeu, mon jeu physique et mon caractère et mon jeu offensif à chaque présence et à chaque partie pour amener au succès de l'équipe. De gagner la Coupe TELUS, de travailler fort et d'être dur à jouer contre n'importe quel club de la Ligue. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais comme depuis que je suis petit que je veux jouer au hockey, j'ai toujours su qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices pour percer un jour dans le hockey. Comme j'ai quitté ma famille au niveau bantam, mais je suis quand même content de faire partie d'Albatros et d'avoir fait ce sacrifice. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes au courant de cette saison. C'est une grande saison, comme vous avez dit, l'arrivée de la Coupe TELUS. Sauf que j'aimerais beaucoup réussir à apporter toutes mes qualités au succès de l'équipe. Et que l'équipe, tout ensemble, ont réussi à gagner. Pour moi, être l'hôte de la Coupe TELUS, c'est vraiment quelque chose de grand. Et je me considère vraiment chanceux, car beaucoup de jeunes aimeraient être à notre place. Moi, je suis sûr qu'on va réussir à faire une bonne impression au courant de la Coupe TELUS. J'ai envie de gagner la Coupe TELUS pour mes coéquipiers. Moi, je suis un gars d'équipe et j'aime vraiment ma gang en ce moment. Et c'est sûr qu'un de mes objectifs, c'est de gagner la Coupe TELUS pour mes coéquipiers. J'aimerais beaucoup que les gens retiennent de moi que je suis une bonne personne d'équipe qui se sacrifie pour l'équipe à chaque match et que je suis un gars de caractère à caractère offensif.